Oh, l'Union Jack, so British. Oh, Cocorico. Oh, wunderbar. Incroyable. Magnifico. Eh, on est revenu sur l'anglais. Bon, ben, appuyez sur croix ou plutôt sur X. Oui, c'est Action Man Destruction X. Mais c'est fait par qui? Par qui? Par Pic? Non, par 3DO. 3DO, rappelez-vous les petites pattes. Cette console qui n'avait pas beaucoup marché, finalement. On trace le rond de la manette ou le cercle avec Blitz Game qui développe. Un héros plein d'action. Le plus grand de tous les héros, mais tout aussi grand qu'une poupée Barbie ou un G.I. Joe. Il se déplace en micro-machine. Son nom, c'est Symbole d'Action. Il va se battre face à des méchants qui ont des tronches pas possibles et des noms très très courts comme X ou G. Peut-être des points d'action, car c'est un jeu d'action, mais c'est aussi un jeu tiré des figurines d'action. Le méchant veut la destruction, mais ça, nous irons face à lui. Regardez tous les bolides que vous pouvez acheter dans ce post-méridien, anti-méridien AM. C'est bien sûr l'homme d'action, Action Man, le plus grand de tous les héros. Et on fait la suite, mes petites pattes. Action Man, destruction, X, salut les nouilles, essayez-nous les bienvenus dans la saga jeux vidéoludiques polygonale sur notre bonne LBC jeune j'ai nommé YayStation. Aujourd'hui, on s'attaque à la deuxième partie d'Action Man. On avait vu Mission Extrême, je crois, et là, c'est Destruction X. D'ailleurs, on peut se mettre en difficulté extrême, mais je vous conseille, petite patte, de se mettre en mode noob. Alors, est-ce qu'on a différentes propositions pour la manette? Pas du tout. Eh ben, on verra ça au fur et à mesure du jeu. Et petite patte, on voit qu'il y a des extras, toujours avec un X, hein. C'est la lettre importante. Et pour une fois, on va pas dire que c'est le mode scénario avec la touche croix, mais la touche X pour valider. D'ailleurs, on ne valide pas avec la touche croix, on valide avec la touche star. Et regardez les petites pattes, c'est bien la lettre A qui prévaut sur quand même pas que Daniel, mais aussi bien évidemment sur Action Man. On va s'appeler AM évidemment. Et tout de suite, bande annonce, le labo secret du Docteur X au cœur de la jungle. Oh là là, ces animations 3D. Et on est façon Metal Gear Solid, façon John McClane en Die Hard, dans les conduits d'évacuation. Et là, on trouve quand même un T-Rex. Ça finit par X. Alors, est-ce que c'est un hommage à Jurassic Park? Ah, peut-être aussi la démo du T-Rex sur PlayStation. Je ne sais pas. En tout cas, il est disponible à la vente. Tous les jouets, tous les personnages sont disponibles à la vente en jouets dans le lien ci-dessous, mes petites. Non, plaisante, non, plaisante. Mais c'est vrai que c'est quand même un bel outil promotionnel. Le premier avait fonctionné. C'était un genre de jeu action-aventure, un peu infiltration. On parlait de Metal Gear tout à l'heure. Et rappelez-vous, on avait fêté les 20 ans. Et là, on fête les 20 ans de ce Destruction X qui est la suite. Et donc, qui serait peut-être un peu plus arcade. Et peut-être déjà avec le mode scénario. Alors, il a un gros bras gauche qui est vert. J'imagine qu'il est gaucher pour ses options d'Onanimus, évidemment. Alors, il a une vision laser avec ses yeux rouges, à moins que ce soit de la myxomatose. C'est possible aussi. En tout cas, il court. Et notre ami Action Man est en train de ramper. Si vous vouliez de l'action, mes petites pattes, vous allez en avoir sur ce Action Man Destruction X. Qu'est-ce qu'on détruit exactement? Est-ce que c'est le Docteur X qui détruit? Est-ce que ce sont les fichiers classés X? Ou peut-être les fichiers bande cassette vidéo qui sont classés X également? Alors détruit les boîtiers, j'ai pas eu le temps de lire les petites pattes. Mais en tout cas, on se déplace avec le joystick ou les flèches directionnelles. On appuie. Alors, oulala, oulala, je prends cher puisque en bas à gauche de l'écran, les petites pattes, c'est un peu rogné, un peu décalé. Et ça, on s'en excuse pour la capture, mais on a quand même nos barres de vie. Alors j'appuie sur quoi? Sur croix? Enfin, sur X, là on peut le dire, X, voilà. Et ça tire le boomerang qui est aussi disponible à la vente, mes petites pattes, pour 12,90€, bien sûr. Non, non, on était en francs en plus à l'époque. Donc là, on essaie de tirer. Oui, je pense que c'était disponible aussi. Et on lui a cassé la jambe droite, enfin le capteur, et là on va aller sur la jambe gauche, toujours. Ensuite, chaussette, chaussure. Et là on fait une autre pub, mais c'est pour Volvic. Donc on appuie sur quoi? Et on se déplace tout autour. C'est une arène, hein, vous l'avez vu, les petites pattes. Donc, hommage à Jurassic Park, hommage aussi à Tomb Raider. Rappelez-vous, les petites pattes, face au dino, qui était pas simple non plus. Et la barre de vie du dino en bas à droite,
est quand même en train de s'enlever. Peut-être aussi un hommage à Dino Crisis, bien sûr, hein, qui était un petit peu plus horrifique que ça, un peu plus infiltration. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez... ouais, hein, c'est assez dirigé. On a le viseur qui se met automatiquement sur le point faible, donc pas besoin de réfléchir. On appuie sur croix, on fait tout le tour de la bête. Et bah c'est bien pour commencer le jeu. Alors est-ce que le mode arcade est différent du mode histoire, enfin du mode scénario? On verra ça peut-être plus tard, mes petites pattes. En tout cas, là on est en train de l'étourdir façon Medieval 2 avec le tyrannosaure sur le deuxième niveau à la fin du musée. On lui tape la tête, mais toujours de la même manière. Ouais, 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 ça y va. Il a quand même une portée très très longue, hein, son tir boomerang. Pas mal, hein, j'ai envie de l'acheter. Genre... non, non, mais je... Ah, il y a un kit Medipack ici pour soigner la vie. Voilà. Alors que notre boss, on commence par un boss, hein, direct. Hein, là, c'est vrai que c'est assez tonitruant. D'ailleurs, je ne sais pas qui c'est. Par contre, on a Tony Hawk, hein, sur PlayStation aussi. Et les marques, ouais, ouais, les traces de pas, ça c'est pas mal aussi, hein, pour dire que quand même, c'est assez dynamique. Alors, j'appuie sur croix, je suis juste devant. On n'est pas très loin. Oh, ça c'est la fin, ça. Ça sent la cinématique de fin de boss de niveau. Il va crier Dino, danger. C'est marqué dessus. Et là, on a réussi. Ah, peut-être il va se faire bouffer, ça serait rigolo. Et on finit le jeu. Non, ce serait dommage. Déjà, d'avoir fini. Ouh, il s'est fait bouffer le bras. D'accord. Il y avait une petite dent contre lui. Et là, le ptérodactyle qui est en train de sauver les miches façon Crash Bandicoot. Waouh! Bravo Action Man, tu es vraiment le plus grand de tous les héros, Et après ce chargement de la mission, peut-être que nous aurons le récapitulatif de ce premier niveau. On a fait le premier niveau, les petites pattes, c'est déjà pas mal. Ou alors, c'était juste un amuse-bouche, hein, histoire de manger, et pas que, un bras vert bionique. Et après ce chargement qui est en train d'onduler en 3D... Ah! 6 mois plus tard, la course du roi de la route, et non pas dans l'antre du roi de la colline. Vous connaissez cette chanson, mes petites pattes. On continue sans sauvegarder, puisque nous sommes sur vieille station, mes petites pattes, évidemment. On fait les 20 premières minutes pour fêter les 20 ans de ce jeu. Action Man, Chassis Mojo, Max Lagom, Turbo Thompson, Booba Boost et Chicane Smith. Les noms sont incroyables. De course, bienvenue à la course du roi de la route. Sur la ligne de départ, aujourd'hui, le grand champion Action Man prêt à... défendre son titre puisque ça coupe le bas de l'écran et aussi le bas des phrases. Et on appuie sur croix et on est parti, les petites pattes. On a changé le jeu carrément. Enfin non, je vous rassure, les petites pattes, c'est toujours Action Man Destruction X ou Destruction X à la française. Mais c'est vrai que là nous sommes sur un jeu, on n'est plus sur un jeu de boss dans une arène. On est vraiment sur un jeu de conduite et façon rallye. On a les directions juste avant d'entamer un virage à l'écran. En bas à droite, bien sûr, la vitesse qui est assez folle. Et on peut... on va voir ça après. Donc là, j'appuie sur croix, comme tout à l'heure. Croix enfoncée pour accélérer, et ainsi que le joystick gauche et droite pour se diriger. La musique a changé aussi. Alors, est-ce que c'est un niveau, un jeu différent? Ça serait complètement fou, les petites pattes. Mais vu pléthore de jouets qu'il y a disponibles chez Action Man, c'est pour ça qu'il y a eu aussi plein de jeux Barbie. Alors, c'est pas la même boîte, hein, je suis d'accord avec vous, les petites pattes. Là, c'est plus sur les petits soldats 3DO Army Men. Il y avait plein de jeux différents. On n'en a pas fait beaucoup, hein, pour l'instant, mais on va les faire, les petites pattes. Ne vous inquiétez pas. Ils ont bel et bien 20 ans tous déjà, c'est possible. Mais ce qui est marrant, c'est que Barbie a eu plusieurs jeux aussi, et c'est normal parce qu'elle fait absolument tout. Et Action Man, je pense que du moment qu'il fait de l'action, tout va bien. Donc on est sur le troisième tour, fin du troisième tour, voilà, début du quatrième tour, sur 5, on est déjà deuxième. Bon, ça c'est fou. Et je crois qu'en bas à droite, mes petites pattes, vous voyez que tout en bas du compteur de vitesse, il y a la touche cercle qui s'affiche petit à petit. Alors je vais appuyer. Oh, c'est le turbo! C'est le turbo, d'accord. En fait, ce sont des voitures à friction, puisqu'il faut se rappeler, petite patte, que si on respecte l'échelle des jouets, vous avez vu Toy Story, eh bien, nous sommes sur des petits véhicules. C'est le dernier tour. On a été subrepticement premier, donc il va falloir vraiment pas gâcher notre nitro, et petite patte. Et on commence à l'apprendre un petit peu par cœur. C'est par groupe de 4 virages. 1, 2... Ah, il me bloque. Attention. À gauche, voilà. Et encore à gauche. Peut-être que c'est la dernière ligne. On donne le tout pour tout. Et petite pomme, appuie sur cercle. Et on finit premier. Oh oui, du premier coup. 2 minutes 18. Action Man premier. Je pense qu'on a passé le deuxième niveau, finalement. Chassis Mojo, deuxième. Troisième position pour le podium. La dernière marche, c'est Booba Gump. Non, c'est Booba Boost. Chicane Smith finit avec la médaille en chocolat. Max Lagom finit éliminé. Et bien sûr, la lanterne rouge. Turbo, Thompson, voiture. Balai. Mission accomplie, petite patte. Ça
on l'avait pas vendu, on l'avait pas donné, mais c'est peut-être aussi le changement de gameplay, tout ça, tout ça. Le fait qu'il y ait des voix aussi, c'était pas mal. Et donc, on a réussi la deuxième mission. N'oubliez pas que tous ces véhicules sont en vente. Encore une performance exceptionnelle d'Action Man. Le plus grand de tous les héros, on appuie sur croix pour continuer, ou sur X puisque c'est juste le petit bout de la touche, du haut de la touche qui était en image détourée en bas de l'écran, et il y avait cercle pour annuler ou revenir en arrière, ou peut-être même sauvegarder, ce qui est possible également, et petite patte, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait le choix entre continuer en sans sauvegarder avec la touche triangle, ou continuer en sauvegardant avec la touche croix, et on a choisi bien sûr le risque avec l'action. Encore une petite voiture, on continue sans sauvegarder évidemment, la musique beaucoup plus funky. Ok, et mission. Désolé de t'interrompre en pleine course, Action Man, mais on nous signale que le professeur Monkey Smith a été enlevé. Le professeur Smith ? C'est un génie de l'intelligence artificielle. Quelqu'un doit avoir besoin de son savoir, et je parie que c'est le Dr. X. Son savoir serait très dangereux s'il tombait entre de mauvaises mains. Préviens la police de boucler toutes les portes de... Je dois retrouver le professeur avant qu'il soit chopé. Et vous avez vu la petite patte ? Je sais pas si vous avez reconnu. C'était, on parlait de Tomb Raider tout à l'heure. Et c'est la voix de Lara Croft qui nous fait, bien sûr, les briefings. Alors là, on est sur un monde ouvert. GTA, on a changé de jeu encore une fois, toujours sur la même galette, les petites pattes. Et vous voyez qu'en haut à gauche, il y a notre barre de vie avec des points. Et tout autour de notre véhicule, il y a la flèche, la boussole bien sûr, mais la flèche pour nous indiquer où se trouve l'objectif suivant, principal. Et on est sur une ville qui ferait pâlir le premier GTA, hein, qui est sorti bien sûr sur PlayStation. Mais il y a déjà un petit bout de temps, parce que là tout est en 3D, ça fait plaisir. On roule sur la marque lumineuse et on appuie sur la touche cercle. Comme Blitz Game, évidemment. On rentre dans le garage, qui est bien sûr à monter soi-même, mais qui est disponible. Ah, on continue sur sauvegarder, évidemment, on va pas perdre notre temps. Et on a le choix entre 4 missions, hein, qui correspond avec triangle, cercle, croix et carré respectivement. Donc incendie au labo du professeur Smith, les bombes sèment la terreur, arrêter les kidnappeurs et retrouver les éléments du professeur intelligent, parce que le professeur Smith n'est pas très intelligent. Non mais je plaisante avec une petite patte, mais comme on a parlé du professeur Smith, on va choisir avec la touche triangle incendie au labo du prof Smith. Et peut-être faire la fin de la voix du briefing avec les textes qui défilent un petit peu trop vite, mais ça c'est sûrement de notre faute. Désolé pour ça les petites pattes. Pour brouiller les pistes, les ravisseurs ont mis le feu au laboratoire de Smith. Éteint l'incendie avant qu'il ne détruise des... équipements précieux. Il manquait juste deux mots, mais c'est pas grave. Donc, on suit la flèche verte pour arriver au lieu de la mission, évidemment. Est-ce qu'on a une carte qui est disponible ? Non, mais c'est toujours les mêmes contrôles. On appuie sur croix pour accélérer. Je pense qu'en appuyant sur carré, voilà, on freine et on recule. Et avec les joysticks pour se diriger. On se met là, tranquillement. On valide avec la touche cercle. Et là, on va changer le véhicule. Toujours. Je crois qu'il a 50% de réduction, celui-là. Hein. Oui, voilà. La petite sirène. Et je parle pas, bien sûr, du dessin animé de Disney, et là on y va. Alors est-ce qu'on peut... on verra ça au fur et à mesure. Je pense qu'on peut tirer... qu'est-ce que c'est que... ah, c'est une bouche incendie. D'accord. Ah, c'est pas mal. Ah, voilà. Il y a de l'animation, il y a des collisions. C'est bien fichu, mes petites pattes. Hein. Franchement, c'est une belle découverte, ce Action Man. C'est celui que j'avais pas fait. Alors, combattre le feu... par le feu, non, par l'eau. Et là, dégâts en bas à droite, ça monte très très vite. Et là, on est sur un shooter, encore une fois. On appuie sur croix. Et vous voyez qu'il y a des munitions... en bas à gauche. Ah d'accord, donc si on relâche gentiment, ça régénère assez rapidement. Donc il va falloir essayer d'éteindre les foyers, puisque c'est là où ça se déclenche. Ça me rappelle aussi la séance de taser qu'on avait fait sur Siphon Filter 3, mes petites pattes, sur l'hôtel d'en face. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ça faisait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça cramait tout sur son passage. Et on s'était bien marré à faire cet épisode pour les 20 ans pile poil de Siphon Filter 3. Là, ça me rappelle un peu cette inspiration-là. Mission accomplie, on gagne des points, les points, les points. Alors sur GTA, c'est du fric, mais là, c'est des points. Mais peut-être qu'on peut convertir ces points façon Club Nintendo pour acheter, bien sûr, des jouets, des figurines, des armes. Parce que là, tout est monnayable, évidemment. Alors, je rentre dedans. Peut-être qu'on va perdre des points. Ah, c'est peut-être aussi des points de... comment on peut appeler ça ? De réputation. C'est-à-dire que plus on a des points, plus on a une réputation positive. Et quand même, on est bien perçu dans le milieu. Et ça, ça peut être sympa aussi. Si on écrase des gens, je pense pas qu'on puisse écraser des gens. On n'est pas sur Carmageddon. Enfin, quand même, faire des dégâts dans les villes, ça serait dommage. Et ça nuirait à notre réputation quand même de sauveur de la ville. L'homme d'action, s'il en est. C'est un jeu d'action, c'est vrai, mais pas que ça. Il y en a quand même beaucoup dans son chapeau. Hein, plusieurs cordes à son arc, ou plutôt plusieurs emballages sur son jouet. Alors on valide. Et est-ce qu'on a encore une nouvelle mission sur la touche triangle ?
Ah bah non, mais la touche triangle, c'est continuer sans sauvegarde, évidemment. Donc on appuie sur la touche triangle, et non, c'est grisé. Incendie au labo du professeur Smith, c'est fini. Touche cercle, les bombes sèment la terreur, et le briefing part, bien sûr, Françoise Cadol, de sa douce voix incroyable, qui a doublé, bien sûr, Angelina Jolie, grâce au jeu Tomb Raider. Pour t'empêcher de le retrouver, le docteur X a placé des bombes dans toute la ville. Trouve les bombes et lance-les dans la rivière. Avant qu'elle n'explose. Je fais très mal. Alors là, d'accord, c'est contre le temps. Mission impossible en bas. Tan, 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 tan. Alors, est-ce que c'est précurseur du fait que la mission soit impossible à faire? Je pense pas. Et trouver les bombes, hein. Donc ça va être contre le temps. On est plus sur du Driver ou du Die Hard. On parlait de Die Hard tout à l'heure, mais Die Hard Trilogy qui était très très bon d'ailleurs. Il y en a eu deux, donc ça fait 6 jeux en un seul film. C'est quand même pas mal. Et pour faire feu, on appuie sur la touche R1. Pour quoi faire? Ah d'accord, ici, donc j'appuie sur R1, je fais tout, qu'est-ce qu'on me dit mes petites pattes? Et on récupère de l'essence, d'accord, mais alors j'ai failli tirer sur la bombe, et là il faut les jeter dans la rivière, il me semble, mes petites pattes. Alors attendez, on va se diriger là-dessus, je crois pas qu'il y ait de carte, hein. Non, il n'y a pas de carte si j'appuie sur Select, pas du tout, et il n'y a pas de petit GPS. Alors la rivière est ici, exactement, est-ce qu'il y a un pont? Ou juste un endroit, tout le monde s'écarte, hein. ça fait plaisir, tout le monde s'écarte. Ah la queue, le non, Action Man déboule. Ah et c'est ici, on les balance. Et oh, et, alors, rassurez-vous, les petites pattes quand même, les jouets bombes n'explosent pas, hein, donc ça va. On a des roquettes à tête chercheuse, oh ça c'est bon ça. Et d'autres roquettes toutes seules. Ah, oh, me raconte pas des salades, c'est quand même des bonnes roquettes. Alors ça va partir en papier mâché, voilà. Medipack, ça peut toujours faire plaisir. Par contre, je perds mon temps à récolter les bonus. Faudrait peut-être aller directement, comme dans Crazy Taxi, aller faire la course, justement, et récupérer la bombe. Mais si on échoue, je sais pas ce qui se passe, hein, puisque là, pour l'instant, on est quand même vernis. Et ça fait plaisir. On a récupéré la bombe, on revient sur nos pas, bien sûr, on sait où c'est. Ça, c'est un innocent, donc je vais pas lui tirer dessus. Donc, je lâche mon index de la touche R1, mes petites pattes, pour pas faire de bêtises. Par contre, on se rappelle qu'on a quand même des roquettes qui sont disponibles. Donc, est-ce que c'est la touche L1? C'est possible. Je vais dropper the bomb, voilà, et je vais tirer, oh oui, la voiture, pour qu'elle revienne. C'est bon, on a tout notre temps maintenant pour, oh ouais, il y a les cartons et tout, il y a des ruelles, des impasses, c'est quand même bien fichu, et ça ne rame pas. Donc quand même, il y a quelques défauts, mais il y a quand même énormément de qualité sur ce Action Man Destruction X. Ah ouais, là, je pense que il y a 20 ans, ça aurait été très très plaisant et je me serais mis à fond les ballons dessus, comme l'autre Action Man Mission Extreme qui était un peu plus posé, parce que là, il est quand même très 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 action, et ça fait plaisir. Je sais pas comment il était reçu dans la presse, puisqu'il y a quand même eu un deuxième, donc c'est que ça avait bien fonctionné auprès du public, tout de même, mais je sais pas. Est-ce qu'il est disponible sur d'autres plateformes aussi? C'est possible, hein, puisque là, ça rame pas. Alors peut-être pas sur PS2 quand même, mais sur PC, ça c'est fort probable. Et il y a encore des méchants. Ah, est-ce qu'ils me tirent dessus? Je ne sais pas. En tout cas, on va les laisser. En général, au bout de... Oh non, bon bah d'accord. Ce qui est bien, c'est qu'on gagne des points, puisque ce sont des méchants. Alors là, ça clignote, je sais pas pourquoi. Non, on est sur le bon temps. Voilà. Et là, on a lâché la dynamite. Il y avait combien de bombes? Je pense que c'est 3 en général. Voilà. Mission complete. Ça se passe bien. Ah, d'accord. Il y a encore des méchants, même si la mission est terminée. D'accord. C'est un peu comme on parlait de GTA. On se rappelle aussi des missions subsidiaires dans le jeu Spider-Man 2. C'était vraiment un monde ouvert et il y avait énormément de choses à faire. Très très bon souvenir, on pouvait se balader vraiment dans la ville avec la toile. C'était vraiment très très cool, on se suspendait encore plus que dans les deux jeux Spider-Man qui sont sortis sur la première PlayStation, bien sûr, et qu'on a fait quand ils avaient 20 ans. Arrêtez les kidnappeurs, retrouvez les éléments du processeur. Du processeur intelligent. Ah mais c'est ça, c'est pas professeur, c'est processeur. Ah, on bafouille beaucoup, hein, sur ce Action Man, petite patte, désolé pour ça. Mais c'est vrai qu'on est en mode Yenou pour l'élocution. Et tout de suite, le briefing. Plusieurs ravisseurs se cachent dans un immeuble, éclairent les criminels cachés pour qu'ils puissent être... Arrêtez. Alors, est-ce qu'on est plongé dans la pénombre? Pas du tout. Il fait toujours jour. Je pensais qu'il y aurait un cycle jour-nuit juste pour cette mission, c'est-à-dire qu'on soit plongé dans le noir, mais pas du tout. Alors, est-ce que c'est possible aussi qu'il y ait des ruelles sombres et obscures? Donc, j'appuie sur... Cercle, c'est ça? Ah non. Oh là là, direct les roquettes. Ok, bon bah ça lésine pas. Ça lésine pas sur les moyens. Je fais marche arrière. Petit créneau, sympathique. Et on appuie sur cercle pour repérer. Alors, ah c'est comme ça, d'accord. Ah mais ça me rappelle un certain Game & Watch ça. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait là? On appuie sur cercle.
Ah bah là, je les ai laissés, d'accord. Donc j'appuie sur cercle. Bah, ah, il faut enfoncer cercle, mes petites pattes. D'accord. Tout à l'heure, j'avais le coup. Mais c'est vrai que j'avais appuyé sur croix. Oui, là, c'est vraiment Game & Watch. Donc il y en a deux qui se sont barrés. Il y en a cinq. Bon, alors lui, il va atterrir là, logiquement. Voilà, il faut faire avec... Pas le bon filon, le bon filin. Ouais, ça, c'est bon. On le chope aussi. C'est très arcade, hein, c'est vrai. Là, on l'attend au coin du bois. Voilà. Ah, il y en avait un autre ici, mince. On va pas tout réussir, hein, je pense. Hein, parce que là, ça va très, très vite. Il faut juste que un seul... Alors, ce qui est marrant, c'est que ça doit les aveugler. Puisque là, ça les arrête net, quoi. Ça me rappelle cette scène dans Austin Powers 3, Call Member, où ils se font choper par, par la pré-beauté quand Docteur d'Enfer et Mini-moi sont en train de se barrer de la prison. Et puis, il y a des gros spots. Et là, ça part en chanson, évidemment. Là, c'est un peu le même cas, finalement. Alors, est-ce qu'il faut en choper ? De toute façon, Point Blank, on a quand même une marge d'erreur. Oui, je crois, puisque là, il en reste encore 15 à choper. Bon, là, ça va, hein, ça se repère. Mais ce qui est marrant, c'est quand même la lumière en plein jour. Donc ça doit quand même aveugler, et tout le monde se rend, hein. Y a pas d'effusion de... Ah ben lui il est parti, d'accord, il est parti, c'est pas grave, il en reste encore 8, bon on en a 27, c'est quand même pas mal, est-ce qu'il en faut 30? On va tenter 30, comme ça c'est pas mal, voilà c'est fait, il en reste encore 4, on donne le tout pour le tout, et petite patte sur cette mission qui est quand même assez longue, et pas si simple, vraiment je pensais que ce serait comme le feu tout à l'heure, voilà, on a récupéré 34, mission accomplie, bon ben ça va, franchement on est bien. On se donne rendez-vous, les petites pattes, pour la dernière mission. Il va falloir se rendre tranquillement avec la touche croix. Il me semble, on peut toujours sauvegarder. Toujours pas d'échec mission, ça c'est assez incroyable. Vous voyez, petites pattes, ça c'est pas souvent sur Vay Station, mais quand même. Voilà, hein, on a quelques échecs, mais pas dans les missions. Pas des trucs principaux, donc ça va. On va essayer d'éviter de cartonner tout le monde. Vraiment, parce que là, je rentre dans tous les véhicules pour aller le plus vite possible. D'ailleurs, on parle de Crazy Taxi, là, il y a un taxi jaune avec Damier. On continue sans sauvegarder, bien évidemment, les petites pattes. Et on va faire la dernière mission qui nous est proposée. Ah, c'est la touche carrée, c'est vrai. Retrouver le micro pour sa sœur. Et non pas le micro processeur intelligent. Briefing tout de suite, le dernier, je pense, de l'épisode pour Action Man Destruction X. Les ravisseurs ont également volé des processeurs intelligents ultra secrets du professeur Smith. Arrête-les avant qu'ils ne s'échappent. Il n'y a même pas eu le début. Ça m'a fait bizarre que ça commençait par une minuscule. Alors, suis cette flèche pour trouver un ennemi. Juste un ennemi. Bon, bah là, ça devrait pas être trop compliqué puisque les petites pattes, en général, ils nous courent après, tout simplement. Là, c'est juste à gauche. Ah, mais il fait le tour. Puisque c'est une voiture qui bouge. D'accord, comme nous, un peu. Hein. Et là, ah, ça y est. Bon, voilà. On lui tire dessus ou pas? J'ai même pas réfléchi. Je vais tirer dessus. C'est peut-être pas ce qu'il fallait faire. En tout cas, on a récupéré quelques bonus et j'ai même pas eu le temps de lire ce que c'est. Vous pouvez appuyer sur espace ou sur K pour faire pause, mes petites pattes, c'est vrai, mais quand c'est passé, c'est passé. Donc je vais sur la gauche, là il y a un marché. Oh mais on peut passer par là. Oui, c'est piéton, mais c'est pas grave. On a toutes les actions disponibles puisque nous sommes l'homme d'action, bien sûr, mes petites pattes. N'oubliez pas qu'il y a une promotion avec le code de Yenoul. Vous pouvez acheter tous les Action Man que vous voulez à partir du 3e, le 4e et bien sûr en livraison offerte. 3 achetés. 3 achetés. Alors, on va. Est-ce qu'on va trouver un ennemi? Parce que là, on est en train de tourner autour de l'hôtel de ville. Voilà. Ah oui, il s'est fait choper. Voilà. Ah, mais c'est là où on était tout à l'heure. Rappelez-vous, petite patte, puisqu'il y avait les échafaudages. Voilà, +1, +1, +1. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Toujours pas de quotient négatif. Voilà, ça c'est pas mal. Est-ce qu'on peut reculer avec. Non. Avec la flèche du bas, non. Mais avec la touche carrée, oui. Alors, peut-être que le troisième ennemi sera le dernier de la mission. Allez savoir, une petite patte. Là, ça se passe quand même plutôt bien. Ah, c'est juste à gauche. Ok, donc je suis la route. Je suis pas du tout les indications. Mais ça, c'est pas grave. Du moment qu'on suit la flèche principale, tout ira bien, une petite patte. Rassurez-vous. Là, ça sera sur la gauche. Ah oui, mais il bouge assez rapidement. Là, ça doit plus être très loin. Voilà, le voici. Avec plein de véhicules différents aussi. Hein. Donc ça, c'est cool. Il y a une IA qui vaut ce qu'elle vaut. Mission accomplie, une petite patte. Je pensais pas qu'on réussirait autant de missions, quand même 6 niveaux, hein. On a fait. Action Man, la police demande si tu peux l'aider à capturer de dangereux criminels. Je vais au poste de police aussi.
si vite que possible, il manque le point. Eh bien, on va se rendre au poste de police, mes petites pattes. Peut-être avoir une dernière voiture, un dernier véhicule, un truc qui fait broum broum pour l'action. Et on va se laisser là-dessus, mes petites pattes. C'est une chouette surprise, vraiment. Je vous le conseille, c'est très très cool. J'appuie sur cercle, voilà, j'essaie de me garer comme je peux. Est-ce qu'on a recherché Kyle N300PP, Stephen T300PP, Andy S300PP, Louise M300PP, Duncan N300PP et Thomas G300PP, bien sûr, on va faire Kyle 300 points, bien sûr. Et voilà, on a changé de véhicule pour faire broum broum et on peut les choper comme ça. Oh, c'est infini, les petites pattes. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis matinée pour certains, je vous dis à la prochaine pour d'autres. Et pour tout le monde, je vous dis ciao.